Hola! Cette semaine, pour la Capsule Express, on vous invite à une dégustation de mezcal. C'est un alcool qu'on ne connaît pas et qu'on a bien hâte de découvrir. On va vous partager nos bêtes à savoir si on aime ou on n'aime pas. On nous expliquait que pour faire la mezcal, c'est un assemblage de plusieurs agaves. L'agave, c'est les espèces d'aloès qu'on voit à l'arrière. Il y en a qui sont plus des variétés pour être cultivées, mais d'autres sauvages. Donc, en mélangeant différentes sortes, ils vont arriver à avoir différents goûts. Puis, ce qu'on voyait aussi un peu plus tôt, ils vont vraiment prendre le centre puis, de l'agave, puis le faire là, sécher pendant plusieurs jours. Après, ils vont le broyer avec l'aide des chevaux puis des rouleaux à pierre, un peu comme ils faisaient dans le temps. Puis, ils vont laisser fermenter ça pour faire les mezcales. C'est vraiment du fort. On goûte vraiment le goût fumé. Ça sent pas comme l'autre, ça sent moins le bois un peu, hein? Elle est plus douce, puis on sent moins le fumé. Je pense qu'elle aime un peu plus elle, toi. Ça se trouve à être la plus vieillie. Puis, donc, elle a un peu plus de couleur, je pense, dedans. Puis, il y a des verres de mezcal aussi. Donc, elle est légèrement ambrée. Ouh, elle goûte vraiment presque l'alcool pur. Mais je pense que ma préférée, c'est la deuxième aussi. Ça, c'est vraiment fort. Quatre shooters. Je sens un peu l'alcool, surtout à 44%. Quatre shooters, c'est quand même pas mal. Ce qui conclut notre capsule express aujourd'hui. On est un petit peu pompette. On a passé une agréable visite. Alors, n'hésitez pas à liker et à partager notre capsule si vous avez apprécié vous aussi. Au revoir!